Salut tout le monde, bonsoir! Hop, je passe sur mon écran de contrôle. Voilà, je surveille que le son de mon micro ne soit pas remis à 100, c'est bon. Je passe en fenêtre pleine. Ah, c'est toute une logistique pour faire marcher Empire hein, en stream. Hein. Voilà! Bon, bah, on continue la campagne. Single player, load game. C'est parti! Ah, on avait des gros projets. On avait notre école, je crois que j'avais pas lancé la tech. J'avais pas lancé la tech. Il y a une tech très importante qui prend 12 tours. Et qui permet en fait de tout convertir à votre culture sans avoir une école. On va faire tout de suite cette tech. Ça va me permettre de récupérer après une autre école. Hop là. Je crois que c'est voilà, celle-là. Regardez ça. Ça promouvoit la culture anglaise dans la population et moins 5% de cultural unrest. C'est parti. 12 tours. Allez, tech sont longues à faire. Mais voilà. Ça amène quand même des bonus non négligeables. Bon, on en était où dans ce merdier? On préparait la descente à Charleston, en Caroline, avec une armée. Le but va être d'aller prendre la ville et voir. Et je la refourgue aux Indiens et je fais la paix avec les Indiens en échange de la ville. Là, va falloir faire un peu chier les Anglais au nord. Puis, sinon, j'ai mon autre flotte ici, mon autre flotte qui est en réparation. Voilà. Et je crois que j'avais capturé une belle flotte anglaise avec deux vaisseaux, deux rang 4 qui rejoindront. Est-ce qu'ils sont en réparation? Je pense que oui. Navy, ouais, ils sont en réparation. Ils rejoindront la flotte, ma flotte secondaire qui va bientôt devenir une flotte première maintenant. Hein. On avait pas mal d'argent, mais on perd quand même 3000 par tour. 3000 d'income, c'est pas rien. Et je me dis que là, avec l'armée qu'on a, peut-être un recrutement. Je suis en train de lever encore plus de troupes. Ouh, on pourrait lever. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Ils ont à bouffer, ils sont heureux. Est-ce qu'on. Les taxes. Les taxes sont baissées à fond, ce qui est très très bien. Et je crois qu'on peut passer le tour. Là-bas, je crois que je peux pas jouer. Hein. Non. Non, je peux pas jouer là-bas. Tour suivant. Ouais, ou un pays d'Inde ou Perse. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de. Putain, encore un autre. Eh, les Anglais m'envoient systématiquement des flottes de guerre. Hein. Tout le temps des nouvelles flottes. Hein. J'ai pas un tour de répit. Eh, l'Espagne aussi. Putain. Mais la Prusse, d'où tu sors, espèce d'enculé? Il y a une énorme armée à bord. Le Prussien. Heureusement qu'il n'a pas débarqué, ce con, là. Tiens, regardez. Mohamed, Momo, le Maroc. Désolé, mec, mais... Si j'avais la ville à lui donner, je lui aurais donné. Mais je l'ai pas. Et il faut que je me débarrasse de cette flotte prussienne. Parce que lui, s'il débarque... Oh, hein, oh, 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 oh. Traité de paix, traité de paix. Écoutez. Visiblement, on commence à me demander la paix, contre rien. Oh, il me donne une tech. Compte de l'argent. Vous savez quoi, j'ai tellement besoin de tech. Je vais la prendre. Et je vais vendre... Je vais capturer... J'ai un plan. Je paye. On vient de récupérer une tech. Et on fait la paix. On fait la paix avec l'électeur de Savoie. De Saxe, pardon. Oh là là, on est en train de faire la paix avec des gens, là. Ça veut dire que bientôt, je vais peut-être pouvoir faire du commerce. C'est ça, le truc. Peace Treaty. Oh là 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 là. Bon. Y'a quoi dans cette... Une frégate, un corsaire et deux. Ouf, bon écoutez, ça va être un gros morceau pour ma flotte, mais on va essayer. Hein. Et ici, on va débarquer. Ici, on va débarquer avec armes et bagages. Ou alors, est-ce qu'on n'essaie pas plutôt d'aller prendre le port? On va aller... Vous savez quoi? Je vais tenter autre chose. Je vais débarquer ici. Hop. Je désembarque l'armée. Hop.
et on attaque Williamsburg en Virginie. Je pense que ça passe crème. Dans le doute, on fait une auto-save. Voilà. On va demander ça. Il refuse de se rendre. Auto-resolve, assaut. Allez hop. Ça passe crème. Quelques pertes. Voilà. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on n'essaierait pas de la vendre aux Indiens? Hein? On va aller par contre. Est-ce que j'ai accès à la diplomatie des pays là? Ouais. Ça, c'est qui ça? C'est les nations Cherokee. Ah, ils sont alliés. En guerre contre les pirates, c'est tout. Alliés aux Anglais, les chiens. Est-ce qu'on filerait pas ça à quelqu'un d'autre pour troller? Genre quelqu'un qui a des cotes et qui serait intéressant à faire du commerce. Genre les Marathes ou le Grand Mogol. Hein? Le Grand Mogol qui me déteste. À la Prusse. À une nation d'Europe plutôt. Une nation d'Europe? À qui en Europe on filerait ça? On donne un empire colonial à l'Autriche? L'Autriche est en guerre contre la Prusse. Vous savez quoi? Moi je dis, on va foutre la merde un peu. Hein. Request peace. Je donne une région. La Virginie. Hop. Il demande la paix avec... Ah, là, j'ai pas envie de faire la paix avec le français. Hein. Il a une énorme armée en Martinique. Nye. Et vous pensez que ça passe? Et du trade? Comme ça? Non, il refuse. Il refuse. Par contre, j'ai fait la paix avec le Khanat de Crimée. Est-ce qu'il accepterait... Non. Ah ouais, c'est un protectorat. On a aussi fait la paix avec... On a quand même réussi à faire la paix avec... Non mais ils refusent tous pour le moment mes offres. On va... La France. Request peace, paraphe pour une région, et je lui donne la Virginie. Juste comme ça. Sans trade. Saving. Non, il refuse. Personne ne veut de mes trucs. Merde. Est-ce qu'on filerait pas... comme je dis, on va aller voir du côté de l'Inde. Hein. Ou alors, les Cherokees. Écoute, les Cherokees, request peace, en échange, je peux pas. Je peux pas lui donner une région aux Cherokees. Il est peut-être pas assez évolué pour comprendre ce que je lui demande. Gêne. Ah ouais! Il est gourmand! Vous avez vu le génois ce qu'il me demande? Il veut mes trois. Non, écoute. Non. Bon bah écoutez, j'aurais peut-être dû piller le merdier et me barrer. J'aurais peut-être dû piller, me barrer. Là, en soi, je peux encore rester un ou deux tours ici. Et après, on tombera sur Annapolis. Sachant que j'ai pas l'intention de garder ça. Moi, ça m'arrange pas trop de garder ces... tout ça, là. Par contre, on pourrait prendre la flotte et carrément aller faire le blocus ici de l'anglais. Oh putain, regardez l'armée anglaise. Ok. D'accord, ça, je veux pas trop l'affronter. Des compagnies de mousquetaires de la Nouvelle-Angleterre. Des grenadiers mercenaires, ok. On va mettre les voiles, hein. Je reste pas ici, hein. Ma descente n'est pas forcément un succès, mais... Est-ce qu'on... Ouais, ils veulent même pas se rebeller, vu qu'ils m'aiment. Hop. Est-ce que je peux pas détruire tout ça, là? Voilà. Allez, on détruit tout ça, au revoir. Je peux pas détruire les routes, malheureusement. Et là, je me barre avec l'armée. Voilà. Hop. Et je me tire. Je vais faire escale aux Bahamas. Tu seras pas en négatif à la fin du tour. Et non. Tu sais pourquoi, Bubok? Parce que j'ai un plan. Non, je peux pas libérer la ville, malheureusement. Enfin, je crois pas. Hein. J'ai un plan. Vois-tu cette armée prussienne, là? Je vais aller engager cette flotte avec ma flotte principale. Et je vais tenter... Ça va être une grosse bataille navale. Il y a quand même
Il y a quand même des sacrés flûtes, mais il y a une armée à bord, donc j'ai pas le choix. J'ai très peur. Hein. C'est une très belle flotte qu'il a. Faut pas que ça se passe mal. Hein. Donc je vais essayer de capturer cette flotte. Et de la vendre. Ça va être dur. Ça va être dur, ouais. C'est sûrement là, c'est compliqué. Hein. On va essayer de prendre une bonne prise de fight avec le vent. Et on va jouer sur le... J'ai quand même des bons bateaux. Ouais, déjà, la météo est bonne. J'ai le vent pour moi. Voilà. Le Ranger. Les flûtes. Moi aussi, j'ai des gros bateaux. Là, je vais prendre ma petite flotte. Enfin, qui est pas si petite que ça, quand même. Hein. Là, j'ai mon quatrième rang. Et là, ça va être ma deuxième flotte. Voilà. On va prendre le vent avec nous. Parfait. Bon, faut pas se louper là. Faut pas se louper, je joue très très gros sur cette bataille. L'armada prussienne, les Junkers sont de retour. Oh, c'est beau, hein. Là, il a le vent contre lui, donc c'est moi qui vais pouvoir manœuvrer tranquillement avec le vent. On va accepter de prendre le premier feu et de subir, quoique... Ah, c'est une belle flotte, hein. On se demande où il a réussi à faire toutes ces putains de flûtes. Bug. Oh là là, regardez le gars qui descend. Hey, le luxe de détail Empire quand même. Le Dark Mode est bien, mais celui-là est meilleur que le Dark Mode. Il y a juste plus... En fait, ils ont pris beaucoup de choses du Dark Mode. Ils ont pris en fait les meilleurs trucs qu'il y a dans plein de modes différents. Empire 2 est juste plus moderne et plus récent en fait, en termes de modding. Le Dark Mode maintenant est un très vieux mode. Hein. Allez, ça va commencer à saucer, là. Oh, première salve sur mes légers. Ouf. Allez, à mon tour. Prends-toi. J'ai mon bateau, il prend cher, là-bas. Vaisseau de l'amiral. Il y a de la puissance de feu en face. Hein. Ouf, putain, mon bateau là-bas, il a déjà pris cher. Ah, c'est solide des flûtes, hein. C'est solide des flûtes. Là, j'ai mon pauvre bateau de tête qui prend une sauce terrible. Allez, à bout portant. La flûte. Flûte contre flûte. Oh, on vient de le démater.
Oh, le mec, il se casse la gueule devant nous, c'est beau ça, ça c'est pas bon pour le moral, hein. Ouais, l'autre là qui rentre dans la formation comme si de rien n'était et qui va foutre la merde dans ma formation, ça me fait chier. Hein. Il me savate en plus, c'est important. Aïe aïe aïe. Le Prussien là, il me fait bien chier. Il me fait bien chier le Prussien à venir comme ça. Allez, là, ici, on va commencer à basculer. On n'en a pas fait paniquer un seul encore, hein. C'est compliqué, hein. Oh là là, il y a eu du dématage ici. Pff, oh la sauce. Bon, malheureusement non, ça passera pas. Ils se défendent bien les Prussiens. Ils se défendent bien les Prussiens. Un petit coup de mitraille ici, on va voir si ça passe, je crois. Et l'autre qui bloque l'accès. Ok, toi. Attendez, la mitraille à bout portant, les gars. Ils sont 138 à bord. On attend pour l'aborder. On attend. Maintenant. Allez, ça, on commence à casser du bateau là. Oh là là, là j'ai pris cher. J'ai pris très très cher. Mon bateau est isolé. Je suis en feu. Je suis en feu, mon bateau brûle. Fait chier, c'est un bon bateau là qui est en train de brûler. Là, on va casser la formation, on va prendre le vent. Ah, oh, j'ai perdu un bateau, c'est un quatrième rang, c'est le conquéreur, il a cassé ma formation. Ici, c'est rendu. Il y a beaucoup de bateaux, hein. Ça va être compliqué, hein. J'ai un bateau qui brûle. S'il explose le... Oh, j'ai ma flûte qui brûle aussi. J'ai ma flûte qui brûle. On fire. J'ai deux bateaux en feu, putain. Oh là 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 là, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du tout, hein. Ok, ici, ça s'est rendu. Je suis inquiet, hein. Je crois que là on va faire plutôt comme ça. Oh, et l'autre là, l'autre qui vient me... Allez. Ah, il s'est rendu, putain. J'ai un peu peur ici. Dans quelle position je suis? Je suis obligé de remanœuvrer. Pas dans le meilleur sens du vent. Je prends une sauce terrible. Allez hop. Allez. On va reprendre le vent des deux côtés. Ici j'ai peur. Je tente ma chance ou pas? Allez, je tente ma chance. Ah, les bateaux qui bloquent.
putain, ici ça passe pas. Ça passe pas du tout ici. Ça passe pas du tout ici. Allez, tant pis. Hein. On va passer en frontal. Hein. Oh, y a, j'ai peur là. J'ai fait de la merde. Et ma flotte, mes lourds sont très très loin. Hors de position même. Putain, ce qu'on vient de lui mettre. Oh putain. Oh putain. Au secours. Au secours. Allez, on passe. On passe comme des bourrins. Allez, dématez-moi ça, ils ont déjà pris des pertes. Allez, là, j'ai récupéré le vent. Voilà, mes vaisseaux lourds qui sont totalement hors de position. Ah, et l'autre qui vient bloquer. C'est compliqué, hein. Les vaisseaux lourds sont plus en position. Oh, je prends une sauce ici. Mon bateau, il a pas coulé ici, mais il fait la gueule. Hein. Fait chier, mes vaisseaux lourds qui sont pas en position, c'est terrible. C'est terrible. Allez, remettez-vous en marche là, tournez. Ouf, la sauce. Oh là 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 là, la bagarre ici. C'est que là, je suis très très mal placé encore. On va essayer de tourner. Dans les bateaux ennemis. Voilà, le sub maintenant, le sub. Le sub. Renault, bien sûr. Merci, mec. Il y a des bateaux qui se rendent là. Il y a des bateaux prussiens qui se rendent. La bataille aurait été compliquée, mais on est en train de la gagner. Galère le. Cette bataille va me coûter cher. Hein. Tu garderas pas 2-3 bateaux. Non, 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 non. Je vends tout, j'ai vraiment besoin d'argent. Oh les savates, les coups de savates qui m'ont. Oh là là, j'ai un bateau qui panique. Mes bateaux sont rendus, je vais les récupérer en fait. Tant que mes bateaux coulent pas. Ok, ça s'est rendu, c'est bon, plus qu'un bateau. Compliqué, hein. Oh
Il reste plus que le privateers là. Dès qu'on va le démater. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez-moi le bordel. Et il y a pas mal de mes bateaux qui se sont rendus aussi. Hein. J'avais dit que ça serait, que ça allait être une bataille difficile. Hein. Ça l'a été. Hein. Qui ont besoin de bras de pratiquer de l'esclavage, Delnook. C'est pas le jour de la maison. On les libère, nous, les esclaves. Oh là là, alors. J'ai besoin d'argent. Hein. J'ai besoin d'argent. Ça a été une bataille difficile. On va voir ce que je récupère. J'espère qu'on récupère du bateau. Beaucoup de bateaux. Un petit 15 000 de thunes, ça serait bien. Pour remplir le trésor. 18 000 ! Ça valait le coup. Et en plus, tous les bateaux qui se sont rendus, on les a récupérés. Allez hop ! Et on se débarrasse de l'armée. On prend l'argent. Et on va pouvoir aller recompléter directement. Hop. Ça valait le coup de prendre le risque. Hein. Et on recomplète. C'est Nico ! Merci pour le reset, mec. Ici, on va pas tenter une sortie. Il y a quoi en face ? Il y a un sloop, un quatrième rang et une flûte. En soi, je pourrais essayer. Hein. Je pourrais essayer. Hein. On va faire descendre l'armée à quai. Voilà. Et on va recompléter les pertes des troupes. La flotte, normalement, elle n'a pas pris de pertes. Par contre, la flotte... Ah non, j'ai pas assez de portée, zut. Ah, c'est vrai qu'il y a une flotte française aussi qui me... Avec un quatrième rang... Un 5, putain, vaisseau de ligne à 54 canons. Beau bébé. Là, j'ai une belle armée aussi. Qui pourrait être pratique pour faire une descente... J'irais bien peut-être faire une descente à Panama et tout ça. Donc d'abord, on va réparer la flotte parce que là, on a peut-être que des gens vont vouloir faire du trade avec moi. Éventuellement, si les... J'aurais dû... Ouais, je crois pas que j'avais l'option pour tout piller ici, malheureusement. Bon, bah, je crois qu'on est bon. On perd 3400 thunes, mais on a recomplété les pertes. Les soldats sont jetés à la mer. Écoute. Ok, les bateaux qui viennent faire le blocus de mes ports. On a vu une petite armée... Et attendez, l'anglais a pas repris... Je crois pas que l'anglais ait repris le merdier. Hein. On va voir si on peut encore échanger... Si on peut échanger contre une paix honorable. Le bled, là. C'est quoi la tech que t'as reçue? Bonne question. Je crois que c'était un truc commerce. Un truc de... Un truc agricole. On va aller voir. Faut que je me débarrasse de toutes ces flottes, là. Qui gênent. Voilà, personne ne propose la paix, malheureusement. Peut-être plus tard, hein, on va être patient. Hein. 11 000 de thunes. Ah, ils me font chier, hein. C'est qui, lui? L'Empire Afshard. Ça, c'est un gars en Inde. Protectorat. Écoutez, moi, je prends les offres de paix. Hein. 11 000, c'est pas grave. Je vais aller récupérer tous les bateaux. Plus on accepte la paix, les paix, mieux c'est. On va prendre la flotte de guerre. Et on va aller se débarrasser de tous les bateaux qu'on va prendre comme... et on va les vendre comme prise. Regardez, là, tout cela, là. C'est parti. T'as déjà réussi à faire la paix? Bah, ça y est, j'ai réussi à faire la paix. Oh non, j'en ai pris qu'un! Je suis fatigué. Je pense pas que je vais... Et non, c'était lui, le Badger. C'est con, c'était un très beau bateau. Le misclick. Je lis le chat. Bon bah je vais au carton. Hein. Je vais au carton, je vais les vendre, les bateaux. Même si on en tire 2000 ou 3000 de thunes, ça sera bien. La paix avec les Anglais en leur vendant la ville. Ça pourrait être intéressant. Je pense pas qu'ils vont accepter. Hein. On a vu que le seul qui voulait, il voulait 3 villes. Le Génois, pour faire la paix, il voulait 3 villes. Ça fait beaucoup quand même. Bon, là, le français, tu vas prendre la sauce. Voilà, les vaisseaux légers. C'est con, mon meilleur bateau n'est pas là, hein, à cause de mon misclick. Le Ranger est pas là. Bon, là vous allez me démater ça rapidement. Pas de chichi, ils sont deux.
C'est parti. Il y a des bateaux à vapeur dans le jeu, je crois que oui. Hein. Je crois qu'en late game, là, le chat, il me semble qu'il y a des bateaux à vapeur dans le jeu. Hein. Les armées françaises font très très peur. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bateaux pour les déplacer. Mais c'est intestable pour moi. Ça commence à tirer de l'avant. Allez, c'est parti. Ouais, c'est quand même des beaux bateaux, hein, les 54 canons là. 58 canons. C'est quand même du galion tout ça. Hein. Frégate de 40 canons, 48 guns. On vient de démater déjà. Le moral va vite tomber. Hein. Là, on lui a déjà pété un mât. Regardez son moral blanc là. Pas d'amiral. C'est que deux bateaux, mais on va les vendre. Je les aurais bien gardés. Mais j'ai vraiment besoin de thunes après avoir accepté la paix à 15 000 là. C'est important de faire des paix là, en réputation diplomatique, on va essayer de faire monter ma réputation. Vous montrer que je ne suis pas qu'un pirate, je suis aussi quelqu'un de bien. La save qui vient de lâcher là. Attendez, ouais, on va essayer de mettre un. Ah non, il est trop rapide. Pourquoi il refuse mes ordres? Ah non, 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 j'ai fait ta merde. C'est pas grave. Ok, ça panique déjà. Éventuellement. Allez, la mitraille à bout portant, à mon tour, 137. Ouh, on lui a enlevé la moitié d'équipage. On lui a envoyé la moitié d'équipage à la mitraille à bout portant. C'est un regardez le nombre de mecs morts. Oh le bateau. Oh j'ai honte. On recommence. C'est bon. Terrible. Oh c'est terrible la mitraille quand vous arrivez à le passer. Hein. Ça demande un peu de micro. Mais quand ça passe en full bordé, c'est terrifiant. Hein. Attendez, je suis à la table. Voilà. Ah mais putain de... Bon, j'espère que j'ai pas fait cracher le jeu en faisant double altab. Ok. Maintenant c'est bon, tu peux revenir. Voilà. Le hachis complètement. Hein. Mais c'est pas facile à passer, faut être vraiment collé au bateau, c'est de la micro. 4000 de thunes en prize money, on prend. Voilà. On remplit les caisses. Et là, on va aller attaquer la flotte anglaise. Qui est ouais, un quatrième rang, une flûte. Et on va aller faire la même chose et récupérer l'argent. J'ai désespérément besoin de thunes. Hein. J'ai désespérément besoin de thunes. Et ouais, je fais moins 3000 par tour. Hein. Et là, j'aimerais bien pouvoir réparer, embarquer l'armée, tour suivant, et aller faire une descente peut-être à Panama. Et on pille tout. Bon. Ça me fait chier que toute ma flotte ne soit pas là opérationnelle. Petit vaisseau. Voilà. Oula, alors là, le vent n'est pas du tout avec moi.
quatrième rang. Vaisseau de l'amiral. Voilà. Parfait. Ok. Let's go. On a un vent de travers. Pas trop dégueulasse, mais pas fameux non plus. Ah, j'ai désespérément besoin de génération. On va essayer de lui couper la route très tôt. Là, pour pouvoir récupérer plus de vent. Ok, ça va bientôt commencer. La bagarre, ça a commencé. Bataille navale dans le même tour, même si c'est pas des grosses batailles navales. Ouh là là, où on vient de le démater. Où on vient le mât qui se casse la gueule. Allez, sur là. Hop, viré sec. Allez, ici, il s'est rendu. Allez, ça se passe bien. Mes légers sont en train de faire le boulot aussi. Oh, pardon. Ouh, la bordée qui vient de lâcher là. La gueule là-haut, il fait la gueule. Le mât qui tombe, le mât qui tombe, c'est bon ça.
garder mon vaisseau ici. On va exploser la formation des lourds. Voilà. On va essayer de passer un tir à la mitraille. La voilure. On va essayer de se rapprocher. Peut-être, il est trop loin. Il est trop loin pour de la mitraille, mais on va essayer quand même. Allez! Putain, mais tourne, espèce de con! Ouh, et moi je me prends une sauce terrible! Ouais, c'était pas bon, hein. Ok, ici on est en train de croquer. C'est pour sa panique, on l'a dématé. Là, toi éventuellement. Et de la voile. On va essayer de couper la route. Oh là là, le mât. Le mât, on le dématte. On le dématte. Allez, plouf. Et on va lui mettre un coup de mitraille en surplus. On va lui mettre un coup de mitraille en surplus, ça va le faire, ça va être bon. Allez! Allez, rapproche-toi! Maintenant! Ah, il résiste bien. Il résiste bien. Hein. Attends, il s'est fait démater dans tous les sens. Incroyable qu'il résiste aussi bien. Déjà les garder intacts pour que je puisse les revendre. Si tu engages une bataille navale conventionnelle, tu vas endommager les coques et possiblement les bateaux vont couler. Ce que tu ne veux pas, si tu veux les vendre. Démater les mâts permet de les immobiliser et de faire tomber leur morale. Généralement, un bateau qui a plus de manœuvrabilité va vouloir se rendre, ce qui est logique. Donc c'est pour ça que je fais un gameplay de dématage. Parce que. Putain, ouais, je suis obligé, là. Résiste bien, hein. c'est un vaisseau de 4ème rang. Il va finir par t'inquiéter. Par exemple, là, tu vois le jaune, c'est la coque de mon bateau qui est endommagée. Plus ça descend, plus il y a un risque que le bateau coule. Tu veux pas que tes bateaux coulent. Allez, c'est bon. Il lâche l'affaire. Il s'est rendu. C'est bon. Il aurait été chiant, mais il s'est rendu. Rendu. Parfait. On va vendre ces bateaux, même s'il y avait quand même un petit 4ème rang que j'aurais bien gardé. Et on va voir pour... on va peut-être aussi en tirer 5000 de thunes. 5000, 6000, ça me ferait 2 tours. On prend l'argent. Magnifique. Et on va réparer les bateaux. Voilà. On embarque l'armée qui est ici. On va laisser les déserteurs, ça va rester éventuellement. Et on va se préparer à aller embarquer au tour suivant. Là-haut.
Mes quatre bateaux, ils ont été magnifiques, regardez-les. Très belle petite flotte. On va rejoindre la flotte principale. Voilà. Aïe, il y a une armée anglaise qui arrive. Avec du monde à bord. Et des canons, des miliciens. Bon, on a tout rasé ici. On va voir si quelqu'un ne voudrait pas de cette connerie de ville, là. Et même contre un accord de trade. Regardez. Indifférent, l'Empire d'Ashkad. Le Khanat de Crimée. Le Khanat de Crimée. Trade agreement. En échange, je t'offre un pied à terre en Géorgie. Il refuse. Ça aurait été beau. Personne ne veut de cette merde. Personne ne veut de cette merde, malheureusement. On a réussi à faire la paix avec quelques mecs, quand même. L'électorat de Saxe, malheureusement, n'a pas de port. Queen de Courlande. Courlande, trade agreement. En échange, je te donne la Virginie. C'est un bon deal, non? Regarde. Non. Personne n'en veut. Hein. Bon, bah tant pis. Hein. On aura essayé, on aura fait une descente. On va en faire d'autres. Hein. On va en faire d'autres, des descentes. Et voilà. Je crois qu'on a très très peur de l'armée française qui est ici. Et on perd 3500 de thunes par tour, mais on a 1600 en caisse. J'ai bien une idée qu'on pourrait... Est-ce que mon armée a été recomplétée? Non, mon armée est en cours de recomplètement. Pourquoi est-ce que il ne veut pas... Et avec cette armée, on pourrait éventuellement, comme je dis... Il faut que je sois à portée de la mer. Il faut que je puisse directement aller en mer. Et là, aller prendre le Panama pourrait être intéressant. Oh, j'ai toujours été bon en bataille navale. Hein. C'est pas facile en plus. Hein. Les mecs, ils se moquent là. Casse-couille les batailles navales. Hein. Pas si simple que ça. Hein. Bon, malheureusement, l'anglais reprend. Ouh, regardez un peu ce qui arrive là. De l'argent supplémentaire pour les prises. Bon. Ou d'ailleurs, vous avez vu que la technologie que j'ai récupérée, vous vous rappelez de la technologie qu'on m'avait donnée? Hey, le Maroc, 14 000 de thunes. Oh. Est-ce que je prends le risque? Il y a une flotte anglaise là qui va peut-être me faire... Allez, j'y vais. J'accepte. On est en paix avec le Maroc. Camarade marocain, j'ai plus d'argent. Hein. J'ai plus d'argent. Hein. Je vais devoir monter les impôts, récupérer cette flotte et aller faire une descente. Bon, j'ai un plan. J'ai un plan. Là, ça commence à être une très très belle flotte ici. On va aller attaquer la flotte anglaise. Zéro, tu ne t'inquiètes. Je gère. Oh, il y a un galion de guerre, merde, j'aurais bien aimé le capturer. Oh, c'est une putain. C'est une putain de belle flotte, j'aurais bien aimé la garder, mais tant pis. Hein. Tant pis, j'ai besoin d'argent. On va devoir leur péter la gueule. Je vais devoir aller leur péter la gueule. Et avec l'autre armée, on va les débarquer à Panama et on va les prendre Panama. On va mettre à sac Panama. Et ça devrait le faire. Cette flotte, elle a besoin d'expérience de toute façon. On va faire un groupe avec les flûtes. Un groupe avec les flûtes. Et on va faire un groupe un peu plus lourd.
quand même des sacrés bateaux là. Entre la fin du monde avec 60 canons, la revanche de la Red Anne, 48 canons, on a des 4e rangs, 2 4e rangs, cette flotte est plus grosse que l'autre désormais. Allez, let's go. Calcutta en face, le Cumberland, le Jersey et le Bulldog. Commence à se faire saucer. Important que aller que regarder des streams. La campagne se passe bien, le mode Empire 2 est génial, plutôt stable, un seul crash depuis le début, et j'ai hâte d'essayer d'autres factions. Le jeu est vraiment, le mode est incroyable, il n'y a pas à chier. On va passer avec le vent direct. Vas-y, on s'en va 11 mois, putain. Bientôt l'année, hein. On espère que tes études se passent bien. C'est la rentrée, je présume. Allez, là, on est bien en train de l'envelopper, la flotte. Bateau, je peux en tirer 8000 de thunes. Je peux en tirer 8000 à la vente. Ouh, le dématage en live. Oh, le dématage. Ça, c'est bon, ça. Ok, là, ici, on va suivre la formation avec les flotteurs. C'est pas encore rendu, mais il fait la gueule, hein. Et c'est un 4e rang. Oh, 2 heures de route par jour, au secours. Ah, écoute, j'espère que ça plaît, hein, et que ça en vaut le sacrifice, hein. Mes loups ont le vent. Oh, là, ça fait la gueule là-bas. Ça fait la gueule. Et ouais, là, c'est pas une petite flotte, hein. C'est des flûtes, c'est solide. C'est manœuvrable, c'est très manœuvrable. C'est une très très belle flotte que j'ai là maintenant. Elle manque d'XP. Mais l'XP, on va la faire. Ça va pas être des ambitions. Là, écoute, hein. Des fois, j'ai vu des gens faire des choix de vie un peu curieux. Allez, ça va de sévère là. Ça, il s'est pas rendu. Ils sont pas encore rendus, hein. Aucun bateau s'est rendu, hein. Le moral est pas bon, mais.
Allez. Une seule licence d'histoire. À quoi ça sert en 2023 une licence d'histoire au niveau professionnel ? À part faire prof, ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'il y a des débouchés ? Je demande, hein. J'y connais rien, moi. Oh, il s'est pas rendu encore. Bon, ici on va virer de bord. Ils veulent pas se rendre. Le moral est pas bon, mais ça se rend pas. Ça sert à faire les foires au livre. Ouais, écoute, faire les foires au livre, faut juste savoir lire un livre. Hein. T'as pas besoin d'une licence. Hein. Faut faire un peu de synthèse aussi, mais ça, c'est à la portée de n'importe quel agrégé. Bon, ils refusent de se rendre. Hein. Ils sont pas rendus là. Non, 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 moi je continue la bataille, hein. Tant qu'ils sont pas rendus, tant qu'ils ont pas levé le pavillon, Surrender. C'est bon, les deux sont rendus là-bas. Il reste les deux au fond. On va aller les chercher par la peau des couillasses. C'est parti. Vraiment, quand le vaisseau se rend, les mecs tirent plus, hein. Ah, c'est ça, le mec tire plus quand le vaisseau s'est rendu. Ça va être logique quand même. C'est de faire de la recherche. Ah ouais, sympa. Je veux les deux bateaux là-bas. Ils sont dématés, mais ils sont... À ma grande surprise, ils ne se sont pas rendus. Allez, dématés. Il faut vous rendre là. Il faut vous rendre. Ils veulent pas se rendre. Je sais pas ce que je leur ai fait. Ils ont plus de mât, rien. Comment ça se fait qu'ils se rendent pas? Peut-être que je suis pas assez prêt. Putain, t'es motivé en ce moment, toi. Ou alors t'es désespéré. Ouais, j'ai fait 6 ans dans l'armée, je sais ce que c'est. Oh, il s'est rendu, ça y est, enfin. Allez, mitraille, on va se foutre derrière. Voilà. Toi, tu vas te rendre, hein. C'est bon. Putain, enfin. Ils ont mis le temps, hein. Plutôt désespéré, en effet. Eh, on peut dire ce qu'on veut, mais tant que ça paye le loyer et que ça remplit le frigo... C'est sûrement la meilleure des raisons pour rentrer dans la police, hein. Aujourd'hui, hein. Tant que ça paye... écoute. Et t'apprendras peut-être des trucs. 8000 de thunes, on prend l'argent. On prend l'argent. Voilà. On va les réparer, la flotte. Ici, on va embarquer la flotte. On va embarquer l'armée. Sauf, hop. Comme ça. Voilà. Ah merde, j'avais oublié que j'avais l'autre bateau, là, au nord. Ah putain. Oh!
Obéis-moi. Voilà. Avec qui tu en paix. J'ai essayé. Dit Cléo. J'ai essayé, ça a refusé malheureusement. On va aller voir ce qu'il y a à Panama. Je voudrais bien faire une descente à Panama. Y'a rien. Panama est vide. Panama est entièrement vide. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. On prend l'armée. Écoutez, est-ce qu'ils se rendent? Ils ont accepté la capitulation sans condition. Moi, je propose qu'on voit si quelqu'un veut récupérer ça. Ah, c'est con, j'en aurais eu deux, peut-être. Alors. Ouais. On a fait la paix avec quelques pays, quand même. Hein. Eh, le Marocain, il a l'air de m'aimer. Trade agreement. Je pourrais lui donner Panama. Il a pas envie d'une place au soleil. Le Marocain, vous pensez? Tu n'as pas laissé de troupes au port? Si. Send proposal. Non. Je crois que pour l'instant, il me déteste tout ça. Pour l'instant, il me déteste tous cordialement. Ah non, j'ai pas laissé de troupes au port. T'avais raison. Je croyais que si. C'est pas grave. Heureusement que tu m'as dit, on va faire ça. Bon, le problème, c'est que je récupère des trucs dont j'ai pas besoin. Eh, Panama, c'est pas dégueu, on pourrait installer une école à Panama et continuer notre installation. Le but, c'est d'avoir des villes portuaires. Hein. Mais Panama est plutôt intéressant, je pense. Hein. On va garder Panama. On va garder Panama, on va recompléter le port et on va même construire une école à Panama. Hop là. Et on va continuer à rechercher de la tech. Parfait. 4000 de thunes. Oh non. 4900 thunes. C'est, je suis ric-rac au niveau thunas, hein. Je suis vraiment ric-rac au niveau de thunes, hein. J'ai trop de bateaux, trop d'armées. On pourrait peut-être se... Ouais. Je peux pas me permettre de construire une école, ça coûte trop cher. 6000. Je vais réparer la flotte. Là, je vais récupérer mon bateau. Navy. C'est pas grave si c'est pas la même flotte. Voilà. Et on va préparer une expédition pour le Brésil. On va essayer de mettre la main sur... Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école des pirates? Ah bah, on apprend plein de trucs, hein. On apprend à faire du rhum et tout ça. Bon, je vais virer ces clodos, là. Voilà. Je vais aussi virer le général. Voilà. Voilà. Ça fait des salaires au moins à payer. Il faut que je diminue mon armée dans l'ensemble. Les esclaves libérés, bah, je vais les relibérer. Hein. Ça, je les garde, ils sont pas dégueulasses. Ouais, mais je les aime bien, toutes mes unités, là, ça me fait chier de les virer. J'ai 3 mois. J'ai 3 tours pour être efficace. 3 tours. Sachant que... On pourrait augmenter les impôts. Hein, on pourrait augmenter les impôts, ça fait longtemps. Et mes villes sont rentables maintenant. Hein. Regardez ça, 2700. Eh, hey, on fait des thunes. Ça rentre. Tu vas attaquer les 13 colonies. Ah bah, j'ai bien l'intention. Bah, je l'ai déjà fait, hein. J'ai fait une descente en Géorgie. On a mis Williamsburg à feu et à sang. Et personne n'en voulait, donc on s'est barré. Hein. Mais on va commencer à faire des raids maintenant, comme ça. Et je pensais qu'on pouvait piller les villes, ou au moins peut-être les détruire, ou les piller, mais visiblement non. Infrastructure. Bah écoutez, je crois qu'on est bon, hein. On est bon, on va préparer la descente, la future grosse descente au large des côtes brésiliennes avec l'armada. Puis sinon, on va sécuriser ici et on va serrer les fesses. À quand des raids en mort? C'est plus les flottes qui m'intéresseraient. Ah putain, et l'autre là? Oh, ça fait des bateaux en plus, hein, en soi. La quantité de bateaux anglais, hein, c'est indécent. Hein. Le souci, c'est l'Europe, oui, mais je vais faire quoi en Europe? Pour l'instant, l'argent
L'argent, c'est les batailles navales. C'est les captures, c'est les prises. Tout ce que je refourgue au marché noir derrière. Je fais pas l'argent avec mes conquêtes territoriales. Là, en soi, j'ai plus besoin d'école pour mon... Oh, regardez ça! Les barbaresques! Les barbaresques qui me proposent juste la paix comme ça? C'est génial, ça. Eh, les gens commencent à m'aimer, les gars. Je sens que les gens commencent à m'aimer, hein. Pas au point de faire du trade, mais les gens commencent à m'aimer, hein. Alors, vous savez quoi? On va prendre l'armada, la grande armada. Une très très belle flotte, hein. Direction de Brésil. Ouais, direction de Brésil, hein. On va y aller avec ma paire de baloches, c'est une belle flotte. Non, puis on peut pas piller ni libérer les villes, c'est fort dommage. Et avec mon autre flotte secondaire, l'argent, on est à 1000. On va essayer d'aller faire un tour de thunes. Et on va aller attaquer la flotte anglaise. Et là, d'avoir 2-3 bateaux, si je peux en tirer 4000 de thunes ou 5000, ça me permettrait de tenir quelques tours en plus. Oh, il y a un vaisseau de l'amiral. 5e rang, 6e rang, 5e. 5e rang, écoute. Écoute, on va dégager ça. C'est vrai que taper de l'anglais, c'est quand même normal. En plus, c'est eux qui viennent me faire chier, hein. Bon, après, je suis allé quand même piller la Géorgie et tout, hein. Je suis allé. Bon. On commence à faire du raiding et tout, quoi. Bon. Là, c'est une très très belle flotte. Oh, j'ai le vent contre moi. Oh là là, ça va être chiant, ça. Le Ranger. Quand je pense que j'ai toujours mes frégates marates qui sont là. Elles, on les aime, hein. Qu'est-ce qu'elles auront été rentables. Voilà. Camion super lourd. Le vaisseau de l'amiral. Bon, je pourrais au moins faire l'effort de mettre ça mieux. Là, tous les big guns. Et là, on va mettre une flûte. Comme ça. Parfait. Ça c'est qu'une formalité, cette bataille. Le but, c'est de faire un petit peu d'argent. Tu pourrais vendre les villes que tu captures. Mais en fait, même en les donnant, ils en veulent pas. Est-ce qu'on peut vendre les villes? Éventuellement, je pourrais vendre les villes au pays avec qui j'ai fait la paix. Warrior, c'est une bonne idée. On va essayer. C'est quoi? On va essayer de vendre une ville qu'on a capturée. Juste pour voir. Genre le Marocain, s'il veut une petite colonie au soleil. Je sais pas si on peut. On va essayer. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai voulu échanger les villes en échange de la paix. Mais si on essayait... juste de les vendre. Bah, j'ai besoin d'argent. Alors ça, c'est une flotte qui se bat depuis très longtemps. Hein. C'est pour ça qu'elle a autant d'XP. Je les ai bichonnées, mes flottes, hein, depuis le début. Hein. Là. C'est pas du gros bateau, c'est pas du 4e rang. 5e rang, 5e rang de l'amiral. Et un 6e rang. On a affronté plus gros que ça. Et si je peux en tirer 4000 ou 6000 de thunes, on prend. Tu les vends et on prend derrière. Ah non, gagne pas. Ça serait. Ben non, parce qu'après. Le problème, c'est que ça me donnerait un malus de diplomatie et je voudrais bien faire de plus en plus la paix avec le maximum de gens. Pour peut-être commencer à avoir abandonné mon game des pirates et devenir une nation honorable. Tu vois?
Donc on va éviter de déclarer des guerres, sachant que je suis déjà en guerre contre le monde entier. Point qui passe. Ah. Attendez, on va essayer de me saucer à la mitraille. Important. Allez, tourne. Sans information. Ah, c'est pas facile là de tourner un. On l'a dématé. On l'a dématé, le maquis tombe. Ah, je suis trop loin pour la mitraille malheureusement. Voilà, la mitraille, la colonne d'ombre. Allez. Ils sont combien à bord? 127. Maintenant. On a tué tout, putain. Pas voir ça. Ah là, j'ai le vent contre moi, c'est terrible. Oh là là, on se prend les pieds dans le tapis. Ici c'est bon. Zut, je me suis trompé de... Oh putain, il fallait faire un méchant training fire, ça va être terrible. Et là c'est le drame. Je vais casser toutes les formations parce que le gros bordel. C'est le gros bordel. Ici c'est rendu. Je suis la série Fondation PP. J'ai arrêté cette saison, épisode 4, j'en pouvais plus. Genre littéralement, j'en pouvais plus. L'écriture est tellement nulle à chier. C'est déjà un miracle que j'ai tenu jusqu'à la saison 2, hein, vu comment c'est de la merde. Non, François. Crois-moi, si t'arrives à tuer 25% de membres de l'équipage d'un coup, l'effet sur le moral est terrible. Moi, je cherche pas à aborder ni à détruire les bateaux. Je veux qu'ils se rendent. Donc j'essaie de les démater. Et des fois, un bon coup de mitraille à bout portant, tu fais 25-30% de perte. Ça fait le boulot. Allez, on va tirer derrière. Bon, allez, dématez-le. Je crois que le mât va tomber. Le mât tombe. Oh, et c'est beau, Empire. Quel jeu. Oh, les deux mâts qui tombent. C'est ça qu'on aime. Par contre, il faut qu'il soit intact. Regardez, là, la mitraille. Il va se prendre. Il s'est rendu, c'est bon. Il s'est rendu. Attends, il est toujours là, ce con-là, je l'avais oublié. All Mankind, j'ai pas suivi. All Mankind, for All Mankind, Fondation. Tout ça, c'est les mêmes gens qui écrivent. Et ça se voit. C'est un peu trop politique pour moi, toutes ces séries, les gars. Désolé, hein. Mais il faut aimer Wokistan, hein, pour regarder tout ça. Hein. Faut aimer avoir le tuyau dans la gorge et se faire chier dans la gorge. Du 1 et un saison 4, ouais, je sais pas si je regarderai. Je pense qu'ils ont épuisé le filon, All Mankind. C'était sympa. Et encore, c'était sympa. Il y avait du cringe. Hein. Il y avait du giga cringe. Hein. Allez! Ouais, 5800 de thunes, c'est pas mal. Regardez, c'est qui disait « Oh pépé, t'as plus d'argent, plus rien ». Regarde! On s'en est sorti. On va aller réparer la flotte, qui fait un peu la gueule. Voilà. Bon. Alors, si on testait... Écoutez, si on perd Panama, on perd Panama. Mais si on allait voir le Marocain, par exemple. Le Marocain qui me déteste. Mais est-ce qu'il y a des gens qui seraient pas trop hostiles? L'Empire d'Avzad, je sais pas qui c'est. L'électorat de Saxe. Tu voudrais pas une place au soleil? Non, je pense pas. Courlande. Eh, Courlande. En guerre contre la Suède. C'est un protectorat de la Pologne-Lituanie, intéressant. En fait, vous savez que c'est que des protectorats qui m'ont demandé... Ah non. Non. Eh, je vais tester. Je lui offre la région. Regardez, Panama. Le Marocain, bon camarade. Il n'a pas de technologie. Paiement. Je veux du paiement. Est-ce que vous pensez qu'à 5000, ça paye? Non. Ouais, mais j'ai pas. Pour moins de 5000.
For All Mankind a une bonne réputation. C'est pas une question de réputation, c'est une question d'écriture. Et l'écriture, bon, toutes leurs histoires de MILF et de présidente homosexuelle, je veux pas être chiant. Mais ça parle de conquête spatiale, qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui broute le minou de qui? Non, c'était super cringe en fait. L'idée est bonne, mais c'était. Mais les mecs qui ont écrit ça sont politisés à mort, quoi. Et ça se voit. Donc, ouais, moi je viens pas pour me prendre ma dose de politique quand je regarde ce genre de série. Et il y a une campagne. Je vais faire une campagne avec les Chevaliers de Saint-Jean. Et je vais faire une campagne RP où je vais refuser de me battre contre des catholiques. Et on va se battre uniquement contre des amis de la foi. Bon, ici, 500, on pourrait améliorer les fermes. Voilà. Après, il y a peut-être des gens qui aiment ça, hein, se faire chier dans la gorge. Hein. Moi, j'ai un copain, Reykjavik. D'ailleurs, il va venir boire l'apéro. Il traîne dans des clubs sadomaso comme ça. Écoutez, il aime ce genre de truc, hein. Se faire chier dans la bouche. Pourquoi pas? Qui suis-je pour juger? Mais j'ai le droit de dire que c'est de la merde et que j'ai pas envie de regarder. Voilà. Bon. Ma flotte arrive... au Brésil, au tour d'après, on a 9000 de thunes. On perd que 987 grâce à l'augmentation d'impôts. Les Américains aiment ça. Bah ouais, c'est les Américains. C'est l'écriture américaine, c'est l'écriture... En même temps, en ce moment, ils écrivent plus rien à Hollywood vu qu'ils sont en grève. C'est génial. Ça nous fait une pause. Et je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Let's go. Ouais, bah, The Expanse aussi, bien sûr, The Expanse aussi. Et j'ai ferraillé mon armée. J'ai ferraillé mon armée, il y a deux tours, putain! Par contre, est-ce que vous pensez que l'IA... Ouais, l'IA va encore être buggée et va refuser de m'attaquer. Fais chier... J'ai l'impression que l'IA est buggée. Il y en a qui ont testé Empire 2. Est-ce qu'ils ont vu leur IA ne pas bouger comme ça pendant les batailles? Ah là là, l'échec. Aucun souci perso, ok. Bah on va voir, il va m'attaquer au tour d'après. Et on va serrer les fesses, hein. Ouais, on me propose la paix, mais 9600, le Daguestan, non, ça coûte trop cher. Et merde, ça fait chier. Par contre, on va faire de l'argent. Et la flotte française, elle est où? Ma flotte, elle est pas encore arrivée, je présume. Si. Je crois que... Non. Ah non, je vais me cracher. Bon, attendez. D'abord, on va essayer d'aller faire de l'argent. Ok, ça c'est un peu lourd. Oh, une flotte hollandaise avec du sloop. On va aller voir ce qu'il y a ailleurs. Oh là là, mais les flottes qu'il a, c'est que du galion! Galion de guerre qui escorte 4 galions! Bon, on va aller cartonner la flotte hollandaise ici. C'est parti. Ah, c'est quand les unités sont trop grosses. Intéressant. Tu fais tourner les chronos, ouais, mais ça fait chier. De toute façon, les scénaristes en ce moment à Hollywood, vu les merdes qu'ils font, personnellement, ça me fait doucement rigoler, hein. Bien fait pour leur gueule. J'aurais plus confiance... de laisser des IA écrire des scripts en 2023 que de laisser ces espèces de tarés à Hollywood faire joujou avec des scripts. Hein. C'est ces gens-là qui ont écrit les anneaux de pouvoir, hein, oubliez pas. Galion taillé pour la course, le fin du monde, ma flotte de flûte, 6 flûtes. C'est une belle, belle flotte de flûte. Hein. Voilà. Et le galion taillé pour la course à la fin. Un quatrième rang. C'est une très très belle flotte. Hein. Elle coûte cher, mais elle est belle. Hein. Allez.
Y a pas grand chose de bien. Mais tu sais que je regarde plus rien en série, moi. Je regarde plus rien. J'ai arrêté de regarder. Y'a que de la merde. Je suis désolé. Y'a littéralement que de la merde. Et bah je peux utiliser mon temps de façon plus intelligente. Je préfère aller lire un livre maintenant. Au lieu de regarder des séries le soir, bah je vais lire des livres. En soi, c'est plus rentable. Et ça, pour un animé, ouais, bah écoute, le prochain film animé là, qui va sortir, War of the Rohirrim, je suis à 1000% pour ça, hein. Ça va être très sympa, ça. Allez, la flotte hollandaise. Il y a beaucoup de beaux bateaux. Je regarde des animés. Les animés, c'est toujours bon, hein. Alors, j'ai pas osé regarder la série. En fait, je vois pas l'intérêt de faire des live action pour One Piece. Je ne vois pas l'intérêt de faire un... Enfin, c'est un univers vachement burlesque, One Piece, où il y a des qui s'en foutent de beaucoup de choses dans l'univers et... parce que il justifie rien. Pourquoi tu voudrais en faire un live action? Alors, moi, j'adore One Piece, hein, mais je comprends totalement pourquoi des gens n'aimeraient pas One Piece, quoi. Et encore plus en live action. Il n'y a aucun intérêt à faire du live action. C'est pas parce que tu peux faire quelque chose qu'il faut que tu le fasses, quoi. L'argent. Exactement. L'argent. Et visiblement, ils ont eu leur succès, donc tant mieux pour eux, hein. Mais j'avais pas regardé cette merde, hein. Là, je vais m'exposer au fond de tous les bateaux, là. Ça va être compliqué. Non, moi les animés, je regarde quasiment plein de trucs qui sortent. Je suis bon public. Je suis bon public avec les animés. En même temps, Hollywood est tellement merdique en ce moment que... Bon, bah voilà quoi. Ils ont osé wokiser One Piece. Mais bien sûr, ils ont wokisé One Piece, tu t'attendais à quoi? C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est comme ça. Il suffit de pas regarder. Donnez pas votre argent à Netflix. Vous piratez, vous filez pas vos thunes à Netflix. Hein. Problème solde. Allez, on est sur ça. Ah, c'est une grosse flotte quand même. Allez, là. Mes flûtes vont rentrer en action. C'est quoi la dernière série que t'as appréciée? Putain. Ça fait tellement longtemps que je m'en rappelle. Ça fait tellement longtemps que je regarde plus de séries parce que c'est de la merde. Le Witcher, c'était de la merde. Les Anneaux de Pouvoir, c'était de la merde. En fait, tout ce qui est moderne pour un public moderne, c'est de la merde. House of Dragon, putain, oui! House of Dragon était propre. J'ai beaucoup aimé House of Dragon et j'attends avec impatience la saison suivante. Pas parfait, loin de là. Hein. Pas parfait House of Dragon, mais excellent. Simple et efficace. Ah, je n'ai pas vu le film coréen sur The Witcher. Pourquoi pas, hein? Oh là là, c'est beau quand même. Bataille navale, quoi. Allez, là, le moral est bas. Il tire de face, ça va peut-être faire mal. On va peut-être péter un bras là. Ouh, c'est bon, je crois que ça démate. Même pas. On l'a même pas dématé. Il s'est rendu direct. Écoutez. Là, les flics sont en train de prendre le relais. On a une sacrée puissance de fleurs. La saison 8 de Game of Thrones, pour la faire entièrement. Ouais, il faudrait deux saisons au moins pour faire quelque chose de correct. Mais c'est vrai que c'était un peu de la merde, hein. Ça a tellement été rush aussi, oh là 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 là. Bah ils voulaient arrêter, je pense, enfin certains voulaient que ça s'arrête. C'est con parce qu'ils étaient assis sur une mine d'or, hein, ils ont fait un peu de patience.
Je peux comprendre que des gens qui ont fait ça pendant 8 ans, on est plein le cul à un moment, les acteurs et tout, faut se mettre à leur place. Hein. Oh, j'ai un bateau qui se rend. Ah ouais, ma première flûte, malheureusement. Ma première flûte. Qui s'est fait défoncer. Ça devrait pas tarder. Hein. Ah ouais, oh, le pauvre. Oh, il a perdu la moitié de ses membres d'équipage. Il est troué comme une passoire. Regardez l'état de ses voiles. Regardez l'état du bateau. Les boulets. Oh, les, le jeu est beau quand même. Le bac et la fin. Ah, ça. Ça, je suis d'accord. C'est totalement... Surtout qu'ils ont des contrats, c'est même pas une question, on va voir, c'est une question, c'est que tu fermes ta gueule, t'es payé des millions. Il s'est rendu. Il s'est rendu malheureusement. On va casser la formation des flûtes. On va rentrer plein gaz dans la formation hollandaise. Alors attendez là, la mitraille à bout portant. Ah non, j'ai déjà tiré. Je vais pas avoir le temps de recharger. Par contre, on peut peut-être essayer de le prendre. Bon, est-ce que ça va passer? Attendez, attendez, attendez! Ouh, il vient de me lâcher une sable absolument terrible. Ils sont combien à bord là? Ils sont 134. On va lui lâcher une bordée de l'enfer. On va lui lâcher une double bordée. Alors ça. Alors toi mon gaillard. Toi mon gaillard. Allez. Ah là 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 là. Feu! Ouh, 134, pas mal. Tout est en train de se rendre ici. Les lourds ont fait leur office. Ici, on va casser les formations. On va récupérer le vent. Ici, il a déjà été dématé. Oui, je sais, t'as tous les canons qui sont chargés en même temps, il y a un effet de salve. Alors que quand t'es en manuel, quand tu laisses en auto, t'as pas cet effet de salve. Et c'est difficile de tout micro-gérer sans la pause au niveau d'aval. Tu fais confiance à l'IA sur ça. Hein. Oh là là, attendez, le bateau hollandais, on va passer en mitraille. Le bateau hollandais, ils sont 110 à bord. Allez. Allez, avance. Maintenant! Ouh, regarde François! La reddition immédiate avec le tir de mitraille! La mitraille est importante, c'est un impact sur le moral. Ils se sont rendus direct après la mitraille. Oh, j'ai un bateau qui s'est rendu, c'est vrai, ça c'est ma faute qui s'était rendu. Là-bas, on vient de le démater. Il s'est rendu. Je crois qu'on est bon. Rendu, je crois qu'on est bon. Parfait. Attends que ton code rouge pour tirer. Ah oui, c'est ça, c'est mon code. C'est juste que c'est bien d'avoir une grosse salve, tu vois. Plutôt que d'avoir que la moitié des canons chargés. C'est la même chose, là. Oh, regardez, 13 000 de thunes. C'est pas exceptionnel. Mais ça a fait le boulot. Ça va payer pour les tours. Par contre, là, ma flotte fait la gueule. On va rentrer à la maison. Pas mal, hein. Une descente à 13 000 d'argent. Ça vous permet de tenir plusieurs tours, surtout que là, j'ai un énorme souci. Hein. Je vais essayer je vais lever un général en panique. Ouais, 1600 thunes. Et on va essayer de lever en panique. La racaille qu'on peut, des tireurs, les déserteurs anglais sont des flibustiers, les têtes mêlées, ça me fait coucher. Hein. Les migrants espagnols sont pas mauvais. On aura en plus de ça. Oh là, on va voir si l'IA est buggée ou pas. J'ai peur que l'IA soit buggée. Hein. On a un problème de.
On sait qu'il y a une flotte anglaise, dans, une flotte française dans le coin, mais on sait pas où elle est. Est-ce que la flotte serait pas repartie vers Cayenne? Vous savez quoi? Je vais essayer, je vais aller à la poursuite de la flotte française. Je suis sûr qu'elle est, qu'elle est repartie vers Cayenne. Allez là. Oh putain! Putain, six flûtes. Six flûtes. Après, j'ai une belle flotte aussi, mais... De toute façon, je peux pas la dégager du port, donc on va... On va rentrer au port. Et malheureusement, on va devoir attendre. Aïe! Une armée espagnole, ok, c'est bon. Qu'ils viennent. On a de l'argent. Dans mon malheur, on a refait, on a rempli les caisses. Si je venais à perdre la Martinique, ça ferait chier. Mais c'est pas non plus la fin du monde. C'est pas non plus la fin du monde. Collisionne un bateau. Ouais, ouais, les bateaux, il va se faire directement attaquer, Pépère. Hein. Tu laisses un bateau, là, un bateau, il y a une flotte anglaise qui tombe dessus. Hein. Je survis uniquement parce que j'ai la masse, hein. Bon, tour suivant. J'ai peur que l'IA soit encore bloqué. Il va m'attaquer, il m'attaque. Oh, j'ai vraiment pas grand chose, hein. J'avais rien du tout, hein. Écoutez, on va être RP, parce que ça, je l'aurais pas gagné. Donc je vais considérer que l'IA a gagné, au cas où elle est buggée, d'accord? Oh, j'ai... Hé hey hey. Écoutez! Écoutez, si le jeu... Si le jeu... On est en difficile, en plus, hein. Généralement, les auto-resolves sont difficiles. Mais ça, c'est mon général. C'est mon général, ça. Oh, le coup de bol. Oh, la chatte à pépé, hein. D'où il sort, lui? Ok, il faut que j'aille me débarrasser de cette flotte hollandaise. C'est des archers indiens, peut-être aussi. Hein. C'était des armées de locaux recrutés à l'arrache. Hein. Par contre, on a une flotte hollandaise avec une petite armée. J'espère que la flotte n'est pas trop balèze. Ok, la flotte est de retour. La flotte est rentrée à la maison. On va immédiatement aller réparer. Et on va aller attaquer la flotte hollandaise. Regardez ça. Oh là 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 là. Navy. Voilà. Et voilà, avec l'autre flotte. Attendez. Y a quoi dans cette flotte hollandaise là? Parce que y a quand même du lourd là. Un 54 canons. Un galion de guerre. 2,54 guns, une flûte, une chebec. Il y a une petite armée. J'ai un petit peu peur quand même. Hein. Si j'y vais avec ma flotte secondaire. Allez. À un moment, faut tenir ses couilles. Hein. Je voudrais me payer un amiral aussi. 1800 thunes. Allez hop, ça fait longtemps que je ne suis pas payé un amiral. Voilà. J'ai un peu peur. Hein. C'est une très belle flotte. Hein. Ça pourrait mal se passer. Hein. Ça pourrait mal se passer. Comment l'IA envoie des belles flottes, hein? Pas facile, hein? Putain, quand vous avez des flottes avec des galions, des flûtes et tout, vous savez que vous allez. Vous avez pas le droit de vous faire casser la gueule, hein. Allez. Oh, j'ai le vent contre moi, c'est dégueulasse.
Et lui a un superbe engagement au niveau vent. Mon galion. Hop. Je vais mettre ça, c'est mon quatrième rang. Voilà. Hop. Ok. J'ai oublié un bateau. J'ai oublié un bateau. On va le mettre avec la... les légers. Les légers, là, ils sont là pour... Là, mes frégates marates, elles sont plus du tout utiles. Elles sont juste là pour prendre des coups. Et c'est tout. Attends, c'est une blague, j'ai oublié de... Putain. Oh, le con. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je plante? Oh! C'est ça. C'est parti. Les marates, elles sont là pour prendre la sauce, hein, et c'est tout. Bon, je joue gros sur cette bataille. Mais on a moyen peut-être des deux. Peut-être récupérer des bateaux et me ferrailler les bateaux marates. Ou alors je pourrais faire une troisième flotte de course. Pour aller trouver des cibles juteuses et faciles dans les points de trail. Les galons vont peut-être faire la différence, j'espère. J'espère que les galons d'XP vont permettre de faire la différence. Là, je vais récupérer le vent. Vient de me mettre là. Pour lui aussi. Ok, le bateau de tête fait déjà la gueule. On va bientôt réussir à démater, il est très avancé, trop avancé je pense. Et là on va tailler, vous savez quoi, on va tailler à travers la formation. À mon tour de jouer agressivement, je prends pour moi. Ah mais le mode est incroyable, hein. Le sonore. Bon, il s'est déjà fait démater ici. Ça démate. Allez. Ouh, face. Non, attends gamin. Attendez, ils sont 186 à bord. On va tenter un petit coup de mitraille avec toute la bordée d'un coup. C'est parti. Maintenant. On a tué 80 mecs. Oh putain. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Il s'est rendu direct, hein.
Terrible. Terrible. Non mais le pauvre, hein. Imaginez-le. Le travail, on a déjà un bateau rendu, la flotte est en train de faire de bien travailler là, mais lourd. Les deux potes qui viennent me voir, c'est deux guides. Les mecs ont l'air paumés tous les deux à Reykjavik. Il s'est perdu dans son propre musée. Allez. Regardez, on est en train de les croquer là. On fait une magnifique passe, il est de face. Eh, cette bataille ne va quasiment rien coûter. On va récupérer la flotte hollandaise. Oh mais putain, mon jeu, allez! Chop chop! Oh, il a bloqué le passage! Oh la sauce! Ok, c'est pas grave. On va casser la formation. Et on va mettre tout ce petit monde. Voilà. Là, on va mettre l'ancre. Est-ce que vous pensez que là, on peut tirer à la mitraille sur la Tchébec? 1. Ouf, ce qu'il vient de me mettre. Ah, ça passe pas. Il est plus manœuvrable. Il est plus maniable que moi. Putain, la Tchébec. Allez, c'est bon. Rendu, on est presque. Ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Je vous cache pas, j'avais un petit peu peur. La Tchébec s'est rendue aussi. Écoutez, c'est propre. Et il est en train de... C'est bon. On va voir. Rendu. Non. Il y a encore un bateau. Oh, c'est bon, il va se rendre. Il s'est rendu. C'est bon. Ils se sont tous rendus. Ça va faire de l'argent, ça. C'est une très, très belle flotte, hein. Je prends l'argent. Ouais, je vais prendre l'argent. On est désespérés ici, hein. Il y a eu beaucoup de bateaux, hein. Combien vous pensez que ça fait en... Attendez, je reviens sur le jeu. Combien ça fait en... En prize money, presque 10 000, plus. On prend l'argent. Ça va me mettre extrêmement bien. Je vais même me permettre de... Je pense que je vais me permettre d'aller attaquer la flotte anglaise. Ils sont que 3 bateaux. Bon, par contre, il va falloir que j'arrête. Hop. Je prends les barcas. Prends juste le galion. Le problème, Kaiser, c'est que je sais pas c'est lequel le galion à chaque fois. Voilà, hein. Surtout que ça va pas être grand avec Yannick aussi, quand même. Surtout que je suis dans la banlieue, je suis avec dans les quartiers malfamés maintenant. Hein. Alors, ils sont pas habitués, eux, ils vivent au centre, voilà. Bon, je m'arrête là.
La suite, je sais pas trop quand. Je sais pas trop quand la suite. Prochainement, peut-être mardi soir. Et sinon, demain, une petite minute spatiale à 15h. Ah ouais, plus tard que d'habitude. Et petit Lord of the Rings sur Gundabad. On parlera du mont Gundabad. Et sinon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu cliques et il te dit quel navire tu as pris. Ah merde, j'avais pas fait gaffe, Kaiser. Tu cliques et tu passes ta souris dessus. Il te dit quel navire tu as pris. Putain, je savais pas. Bah écoute, merci pour le tips. Merci pour le tips. Et on en apprend tous les jours. Hein. On en apprend tous les jours. Et bah sinon, sur ce, passez une bonne semaine, bon week-end, et puis peut-être à demain. Allez, ça va. Allez, ciao, ciao tout le monde, salut, bye bye.